Clara, Hugo, la story. Hugo, si on profitait d'être dehors pour faire un petit selfie. Grave. Attention. Hugo, c'est quoi cette tête? Quoi? Je souris. C'est toujours bizarre aussi sur les photos. Non mais là le problème c'est tes yeux. Bon, petite astuce. Sur les photos, pour avoir l'air plus naturel, il faut plisser les yeux quand on sourit. On recommence. Waouh. Waouh, c'est incroyable. Non mais Hugo, c'est pour les photos. Dans la vraie vie, ça fait peur. C'est-il pas l'heure de l'info inutile, ma petite Clara? Allez, je vous écoute, mon cher professeur. Savais-tu qu'en Inde, il y a un ministre du yoga? C'est pas fou, ça? T'imagines si nous, on avait un ministre du hockey sur roulos? Nos vies seraient changées à jamais. On patinerait sans cesse. On patinerait pour aller à l'école. On patinerait pour aller chercher sa poutine. Et s'il y avait un ministre de la poutine? Car pour moi, Clara, la poutine est tout aussi importante que le yoga. Je sais. Merci, professeur. Et comme on dit en Inde, namasté. Poutine esté, moi, chère Clara. Regarde le look de scène de Valentina Zeneri de Soy Luna. On dirait une sirène. Enfin, je vois ses jambes, moi. C'est pas très sirène, les jambes. Non, mais Hugo, je parle pas de ça. Je parle des paillettes et des couleurs. Ah, t'aimes bien les strass. Eh oui. Pas de stress, que des strass. Et bon, si tu cherches une idée de cadeau pour Noël, sache que ça, j'adore. Ok, j'ai compris le message. Les loulous, aujourd'hui, on a essayé pour vous... le ukulélé, un instrument à cordes traditionnel hawaïen. Ah, pas mal pour une première fois. Merci, à toi. Bon, c'est aussi la première fois que j'en fais, hein. On dirait que je suis yoku doué. Décontracté. Déconcerté. Mal à l'aise. Étonnement. Oui, bon, on sait. D'ailleurs, les loulous, on aura une petite soupe. Les loulous, aujourd'hui, on a essayé pour vous... le ukulélé, un ép... Les loulous, aujourd'hui, on a essayé pour vous... le ukulélé, un instrument à cordes typiquement hawaïen. Traditionnel. Traditionnel. Je vais pas y arriver. Oh, très drôle, Hugo. C'est bon, Hugo, on a compris. C'est toi qui m'appelles ? Allô, Clara. Non mais, Hugo, c'est une guirlande ça, pas un foulard. Bah, je sais pas, je trouvais ça cool. Bon, les loulous, aujourd'hui, nous allons apprendre à créer... Un foulard. Une guirlande. Vous allez voir, c'est super facile. Alors, vous aurez besoin de petits ronds de papier de couleur, d'un fil et de ruban adhésif. Vous commencez par étaler votre fil sur la table, puis vous y collez les petits ronds de papier à quelques centimètres d'écart. N'hésitez pas à alterner les couleurs pour faire plus joli. Et voilà, votre guirlande est prête. Foulard, tu veux dire? Vous pouvez l'accrocher au mur ou alors au plafond. Ou en faire un joli accessoire. Clara, venez voir Perlo. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Je vous présente votre nouveau professeur. Poulet? Hein? Je comprends pas. Eh bien oui, sais-tu qu'il y a plus de poulets sur Terre que d'humains? Ah oui? Effectivement. On nous dit toujours de prendre anglais première langue. Moi, j'ai pris poulet première langue et je t'engage à en faire autant. Poulet, je sais pas. Non,
c'est déjà fini. Mais à bientôt dans Clara et Hugo. La story.